Salut les viewers et les viewuses, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Anthem. Donc toujours respect dans les commentaires, moi j'adore vous lire, vous répondre. Certains me demandent s'ils peuvent faire tourner avec leur PC, etc. Enfin, entre guillemets, qu'est-ce qui fait tourner le PC? Une 980 Ti, un 4790K, plein de petites choses qui vont avec, bien sûr, 16 Go de RAM et tout. Terminer quelques chroniques pour le mur. Je tombe mal? Non, pas du tout. Ce travail est plus agréable à plusieurs. C'est pas encore la grande muraille de Liberalia, mais c'est un début. Pourquoi tu fais tout ça, le mur, les histoires? C'est pour la postérité? Je ne suis pas vaniteux à ce point. Pas dans ce registre, en tout cas. T'as jamais vu la grande muraille, hein? Les gens venaient des quatre coins de Bastion pour l'admirer. Ils lisaient nos histoires. Ils avaient foi en nous. Ils retrouveront cette fois. Avec tout ce que je fais... Les gens n'ont pas changé. Ils reviendront dès qu'ils verront le travail accompli. Oui, tu as raison. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais à l'ami que j'ai perdu et je l'entends encore douter de nous deux. Ce qui pouvait être sombre, mais il m'arrivait de le faire rire. Il était freelancer, si j'ai bien compris. Oui, Garnett. Le freelancer Garnett. Tu sais, c'est moi qui l'ai aidé à choisir ce nom. Il lui allait bien. Garnett a eu du mal au début, mais il a survécu au pire. Un vrai dur à cuire. Mais un jour qu'il pleuvait, il n'est pas revenu. Il s'est passé quoi? Je l'ignore. Je sais même pas où il a péri. Son nom demeure. Mais pas son histoire. Ça me fait de la peine. C'est un vrai héros. Il est allé au-delà du mur pour rendre le monde meilleur. Les détails importent peu. Bien sûr, j'en suis conscient. Mais ça m'attriste. Quelqu'un d'ici comptait sur sa présence, et il était là. C'est pour ça que je t'envoie lui rendre hommage. Merci. Il y a le temps des histoires qui garniront notre mur. Un jour, peut-être, tu reviendras. Moi, j'aime bien ces petites quêtes où il faut aller chercher. Je regrette presque en fait qu'on n'ait pas accès justement aux petites histoires. À la fin. Peut-être me tondre la barbe. C'est à la mode, je crois, non? J'en sais rien. Parce qu'elles sont marquées là, mais elles sont pas en FR, elles sont même pas en humanoïde. Enfin, en langage humain. Connu, réel. Parce que c'est des humains qui l'écrivent, donc là, pour le coup. En langage connu, elles sont pas en langage connu. Donc, c'est un peu con. Allez voir. Mais bon. Moi, je suis un peu dégoûté de voir tout le monde qui réagit sur le jeu de manière absolument écœurante. J'ai remarqué quelques petits détails à la con, hein. Les gens qui sont souvent mécontents et qui font beaucoup de vues sur Anthem, bizarrement, quand ils sont pas contents, ils mettent des vidéos de 10 minutes. C'est chelou, hein. 10 minutes et 1 seconde, 10 minutes et 2 secondes, c'est celle qui rapporte un max de pognon. Et les gens qui sont heureux, ils mettent des vidéos de 24 minutes, 30 minutes. C'est chelou, hein. Moi, je trouve ça bizarre, hein. Genre, surfer sur la vague du pognon, par la vague du... de la haine, je trouve ça vraiment des enculés, je suis désolé, je le dis, hein. Donc maintenant en fait je regarde la vidéo. Et dans 99,9% des cas, vu qu'ils répètent à peu près pour la 16e fois sur leur 16e vidéo la même chose, avec genre une information en plus, disant que par exemple que, je sais pas moi, que EA va détruire le studio BioWare avant même la fin de la semaine ou du mois là. Je suis désolé, hein, les mecs, hein, mais enfin, ils relatent ce genre d'informations, après ils redisent, voilà, j'ai encore eu un coffre. Moi, ça fait 9 heures de jeu. Non, 7 heures de jeu, attendez, je vais aller voir. 11 heures de jeu. J'ai eu un seul coffre qui n'était pas ouvrable. Et aucun crash, aucun bug de son, que dalle. J'ai eu un petit bug une fois qui a duré 10 minutes. C'était juste une phrase qui était marquée en sous-titre. Pardon, je remets tout en place. Qui était resté marqué en sous-titre. Donc, arrêtez de dire que le jeu est complètement buggé. J'ai 11 heures de jeu, j'ai rencontré quoi? 4 bugs, 5 bugs. Et qui était pas chiant. Je vais retourner dans Fantarsis et de revenir. J'ai aucun chargement infini ni rien. Enfin, tout ce que vous pouvez chercher qui puisse pourrir la réputation du jeu. J'en ai pas eu. Donc, arrêtez de faire chier les gens. Ah oui, parce qu'en plus, en ce moment, il y a une autre mode. La mode en question, c'est t'aimes le jeu, t'es une merde. Non? Non. Par contre, tu prends le temps d'aller voir des gens qui aiment le jeu pour leur faire des remarques et des insultes. Ça, c'est être une merde. Je le dis, hein, pardon. Hein, je demande du respect dans les commentaires. Hein, mais j'en profite tant que je suis là. Parce que là, j'ai pas le temps de pondérer ma pensée. J'ai pas le temps de la sous-peser. Alors que dans les textes, vous pouvez vous relire et sous-peser. C'est pour ça que je demande à ce que dans les commentaires, ce soit poli et etc. Mais... t'as des gens qui viennent insulter des gens parce qu'ils apprécient quelque chose. J'aime le bleu, connard. Je sais pas, j'aime les brocolis, connard. Non, je suis désolé. Non, tu te calmes.
Moi, tu viens me dire ça, tu me poses ton adresse, on va résoudre ça en direct et tu vas voir que tu vas finir 6 pieds sous terre. Oh là là. Ça me gonfle. Les goûts et les couleurs, ça se juge pas. T'aimes, tant mieux, t'aimes pas, tant pis. Mais pourquoi, si t'aimes pas le jeu, pourquoi tu continues à chercher des vidéos et des gens dessus qui l'aiment? Enfin bon, bref. Royal Black. Le jour est enfin venu. Slung et Genotype. Oui. Je tiens plus en place. Salut les mecs. C'est cette fameuse tour. On y est. C'est la tour. Incroyable. La tour. Très par là-bas? Non. Hop là. Ah. Il flotte ? C'est pour ça que je... Ah oui, il flotte. Les archives affirment qu'il s'agit d'un joyau d'architecture qui s'élève jusqu'au nuage. Ok. On cherche donc une très grande tour. Mathias ? Il y a rien. Où est la tour ? Peut-être que depuis le temps... C'est pas ah, vrai. C'est une tour, ça. Possible. Ah. Pardon. J'ai mal lu mes relevés. Au moins, le bon endroit n'est pas loin. C'est pas une tour, ça ? Très bien. Ok. J'ai l'impression qu'on... qu'on me balade. Hop là. Je prends. Encore une fois, si vous voulez que je les lise, dites-le dans les coms et je ferai peut-être un épisode avec juste du lore. Dites-le moi et je le fais. Ce sont des runes arcanistes. C'est très bon signe. Elles pourraient indiquer le chemin. Ah. On a un homme dessus ou... D'accord, elle était là. Wow. Ah oui, c'est vrai. Elle est où cette tour? Aucune idée. Notre meilleur espoir revient à trouver ces... Bah alors? Je verrai si elle renferme des indices sur un lieu. Ah. C'est bon, on l'a eu. Ici. C'est bon, je l'ai eu aussi. Vous êtes nuls, hein. Et je peux me permettre. Oui, il est question d'une tour. Et on dirait un fragment de carte. C'est... Ah. D'accord, je pars en quête d'autres pièces. Nice. Mais t'envole pas, t'envole pas. Il y a des licans signalés dans le secteur. Fais gaffe. Putain, il est solide ce licant. Tueur légendaire. Merci. Je sais. C'est moi qui suis légendaire ou c'est eux? Attendez. Ça veut dire que je suis relayé au passé déjà? Non. Ah ah. Trouvé. Autre morceau de carte. Il en manque la moitié. C'est clair. Jusqu'à la tour. Je sais pas. Je vais continuer d'y travailler. Je le vois. Et du verre. En plus. Juste à côté. Merci. Bien joué, t'es trop fort. Qu'est-ce que j'ai là déjà? Ah oui, j'ai un fusil d'assaut. Ouais, je crois que c'est un fusil d'assaut. C'est bon, tu l'as? Pardon. Excuse-moi, bonhomme. C'est un morceau de carte. Ah bien. Presque entièrement fausse. Certains repères sont exacts. D'autres sont différents. Un seul événement peut provoquer ce type de... Voilà, c'était plutôt avant le maelstrom. Le cataclysme, ouais. À côté. Ah oui, le maelstrom. Je crois que j'ai repéré un endroit. J'y vais. D'accord, vous voyez, je commence à rentrer dans l'histoire. Et en fait, les gens disent qu'il n'y a pas d'histoire, bah j'avais dit, mais t'écoutes tous les gens parler. Et bah tout ça, ça fait des histoires, et toutes les petites histoires mises bout à bout, ça fait une grosse histoire qui est plutôt prenante, je trouve, moi perso. Hein. Parce qu'en fait, c'est vraiment des parts de vie, encore une fois. Je suis aussi perdu que toi. Genre, les mecs qui ont perdu des amis, etc. Bon, l'autre trou du cul. Ah oui, alors, je vais avoir une info. Et maintenant? Je vais avoir une info qui va me faire chier. Ah... Oh! J'ai trouvé un marqueur arcaniste. Oh! 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 Ce bruit! Ok. Salut!
Aïe, et tu pourrais me couvrir, toi? Ah, du stuff. Trop bien. Ah, d'accord. Oh, le bruit qu'il a fait, c'est énorme. Désolé, hein, le bruit qu'il a fait, c'est juste absolument énorme. Ah, t'arrives. Ah, blablabla. Allez, viens. Viens, moi je t'attends, moi. Blablabla. Ah bah merde, il a explosé avant. Maman, le message est clair, à condition de savoir quoi chercher. Qu'est-ce que ça dit? Ça indique une chambre secrète. Alors j'ai un peu joué l'intercepteur au passage, hein, les amis. C'est rigolo. C'est par contre c'est vraiment du... Le voleur de... presque j'ai envie de dire de Skyrim. C'est-à-dire tu engages le combat, tu fais 1, 2, peut-être 3 kills. Très rapide, le plus rapidement possible. Et tu sors, tu recharges tes boucliers. C'est là. Enfin, tu sors ou tu rejoins un autre pack, et pendant que tu rejoins l'autre pack, tu régènes ton shield. Ah. C'est vraiment intéressant. Ça aurait été impossible sans ton aide. Les monstres, cet endroit, tout ça. Impossible. Bon, qu'est-ce qu'on va trouver? Vraiment haute, Marcus. Alors j'ai pas compris, c'est la seule... Qu'est-ce qui m'est arrivé là? Pourquoi j'ai eu une grosse boum boum en dessous de moi? On l'a trouvé, ça y est. Hop là. Alors, ces lieux-là, les fameuses zones secrètes, j'en ai fait un paquet. J'en ai peut-être fait 4 ou 5, même 2 dans la dernière... Enfin 4 ou 5 du coup ça fait pas beaucoup, mais j'en ai fait quelques-unes et j'ai pas tout le temps un coffre à la fin, j'ai des gros mobs partout. C'est tout, je le sens. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette chasse au codex? Des gens m'ont dit que c'était impossible, j'ai tenu à l'en. Oh ce vol. Ah boum. Je les vois. Bourrage! Moi aussi, je peux faire du cac! Ah ah! Hop là! Ah oui, alors le pire étant, je pense parce que je fais cette musique là qui est la musique de la pub. C'est pour ça que je la fais. La musique de la pub en thème, eh ben. Sur les mecs qui disent qu'Anthem c'est de la merde, mais vraiment, pas qu'ils disent que c'est mauvais, ils disent que c'est de la merde, c'est-à-dire qu'ils sont mal polis et tout. Eh ben, ils ont là le droit à la pub Anthem. Putain, mais je serais Anthem, je serais BioWare, moi je réagirais tellement salement à ça. C'est-à-dire, ça marche dans les deux sens, ça rend leur action complètement stupide parce que, alors qu'ils parlent mal du jeu, bah ils en font de la pub. Et le jeu mérite sa pub, il est bon. Oula. Une légère desync. No. Salut toi. Je t'ai vu il y a 2 secondes. Méo. Méo. Maintenant qu'on a plus ces trucs sur le dos, c'est parce que le codex doit être un peu plus loin. Ah oui, le son doit être bien mieux que dans la précédente vidéo aussi, hein. Et ça c'est cool. C'est quoi ça? Mathias, t'as coupé une porte. Il y a une sorte de mécanisme bizarre. Tout est disposé selon une logique mathématique. De toute évidence, cette séquence est cruciale. Il doit y avoir des indices sur l'ordre quelque part. Oh! Ah oui, okay. D'accord, regardez, il y en a un là-bas. Il suffit de tourner la suite. Et il y avait l'autre là. Je sais, on est jamais un là, dedans. Un là. Ça c'est cool. Ça j'aime. J'aime beaucoup. Ah, oh, c'est vraiment fun. Pff,
puis regardez ça, regardez ça! Bordel à queue! Ça doit être ça, la dernière demeure du Codex Élyséen! Il y a une espèce de barrière d'énergie ici, c'est pas vrai! Non! Bande de fils de pute! Et tiens, je crois que j'ai provoqué un truc. Pardon. Genre gros. Oh! Faites pas des murs comme ça pendant les missions, vous êtes fous! Oh, Titan! Oui! Salut, poteau! Voilà! Bouf! J'ai raté la fenêtre! J'ai raté complètement la fenêtre, c'est pas grave! Aïe! Eh, je t'ai rien fait, moi! Ah! Je suis mort! Aidez-moi! Mais merde! Ah, je suis nul! Bouh, shame on me! J'ai pris le seul coup qu'il fallait pas prendre et que je me prends habituellement jamais! Que quelqu'un peut venir m'aider, les amours! Mes amis! Mes amours! Mes emmerdes! Mes amours? Mes amours! Oh! Oh! Oh, bande de nazes! What? Oh! Bande de nazes! Je suis votre seul DPS! Non, mais lol! Lol! Raise me, bitches! J'ai parlé dans le chat vocal, je sais pas s'ils m'entendent. Hein. Ah, y'en a un qui... Non? Oh merde. Ça y est! Oula. Thanks! Je veux pas mourir de suite! Des élémentaires, fais gaffe! C'est la, tu crois. La plus excessive que j'ai jamais vue pour un livre! Faut savoir une chose, c'est que ce build ne fonctionne pas du tout sur les. Ok. Je suis au bon endroit. Bon, c'est pas grave. J'aimerais maintenant c'est qu'il me tourne le dos. Aïe! J'ai pas vu faire. Ah ah. Ok, on va récupérer un petit peu parce que. Ok, il est où? Shield! Ah ah! Limite, si j'étais chez Disney, je mettrais le thème. Ah, j'ai pris cher. Il devait y avoir... Je sais, merci. Aïe, je suis en surchauffe et je vais mourir encore. Non, non, pas encore. Ah putain, mais il est fait pop loin de lui en fait. Aïe. Alors les mecs. Aïe aïe aïe. Ah, je suis gelé. Je vais pas rester de glace face à ton charisme. Allez, vas-y, fais quelque chose. Bah alors, ça fait mal? Ah, j'ai pas réussi à toucher suffisamment là. Ah, salut! Fils de pup! Fais très attention, c'est pas le moment de faire attention.
Mais a explosé mon shield, tu te fous de ma gueule. Oula, qu'est-ce que tu fais avec ton pied? Salut. Non, viens pas sur moi, ça m'intéresse pas. Eh merde. Ah. Pire endroit sur Terre. J'avais dit. Fais quelque chose. Des 7. Je sais pas sur quoi je suis, mais je suis dessus. Ah. Raté. T'as chié. Je vais recharger. Allez. Allez, c'est bon. Le plus triste, c'est que je suis seul à être décédé. Ça, ça me fait vraiment chier. Mais bon, en dehors de ça, tout va bien. Imhotep. Mais je suis étonné en fait, c'est censé être un plus petit, un plus facile, parce qu'il avait pas la barre de PV des autres. Et pourtant, il avait pas non plus le même pattern. Genre en fait, dans le freeplay, ils envoient petit à petit beaucoup plus de... Pardon les mecs, excusez-moi, hein, je cherche aussi. Vous voyez des choses, vous? Vous faites tourner au pif. Tournez dans le vide, tournez dans le vide, tournez dans le vide. Voilà. T'as réussi, oh, nice. T'as réussi à l'ouvrir. Voyons ce qu'on... Hop là. Un coffre dans un coffre avec des codex. Il n'y a pas grand chose au manuscrit ancien, mais celui-ci a l'air bien. Mathias, t'es là? Oui, oui, merci. C'est juste que... C'est rare que je trouve pas mes mots. Je te remercie, c'est incroyable. Fin d'un chapitre entier de ma vie. Auto d'affé. Début. Désolé. Bon, je suce quand même, hein, pour être mort comme ça aussi bêtement. Au pire endroit, en fait, j'avais rien à faire là. C'est juste du positionnement qui était mauvais, hein. Je n'avais absolument rien à faire là-bas. Ah là là. Pourquoi j'ai un menu qui apparaît? Ah, c'est... Hop, voilà. Bon, c'est comme ça, hein. Faut savoir que, de mon point de vue, le titan a un gameplay de survivaliste, c'est-à-dire qu'il va prendre plein de dégâts. Et il va pas constamment utiliser son shield. Et c'est ça qu'il faut qu'il apprenne à faire. Je suis l'éradicateur. Mais bon, vu le temps que j'ai passé au sol, je peux pas avoir la médaille le plus d'XP, pardon. Et je suis pas loin, hein. Y a des gens qui ont fait pire, hein. Des gens qui ont fait pire. Dispersion, encore. Expert d'explosif, d'accord. Toujours du 13. Donc le 13, je suis plus ou moins équipé en 13. Le rôdeur, c'est quoi? Un lance-grenade, d'accord, ok. Et un torrent. Le torrent, ce serait peut-être intéressant de l'équiper. On va équiper le torrent. Je me suis rendu compte en fait qu'avec mon build précédent, c'est-à-dire que j'avais un fusil de précision et un fusil à lunettes, certes, je faisais des dégâts sur les points sensibles, mais vraiment que sur des moments du fight. Et je pouvais pas me permettre d'attaquer en dehors parce que je n'avais pas les armes qu'il fallait. Du coup, il fallait que j'attende que le personnage adverse, que l'adversaire, fasse son petit caca nerveux pour que je puisse enfin faire les dégâts. C'est pour ça que je vais récupérer le torrent et l'équiper. Là, je pense pas que j'ai mieux. Voilà. Là, je pense pas avoir mieux non plus. Non. Là, peut-être que si au niveau de ça. En fait, ça va réduire mes dégâts de... Foudre et de... Mais bon. Oh, ça c'est nice. Ça c'est nice. C'est très très nice. C'est-à-dire que quand je vais charger dans mes ennemis en sprintant avec mon bouclier, je vais faire 300% de dégâts par rapport aux dégâts... 3 fois plus de dégâts. C'est pété. C'est ultra pété. Ah, nice. Nice, Oulu. Très bien. Ah bah écoute. La suite.
c'est parti. Et ça qui est bon. Alors j'hésite en ce moment, j'hésite beaucoup à rusher entre guillemets les tournages, en faire un maximum par jour, pour arriver dans le endgame et au cas où qu'il y a un événement, pouvoir vous le montrer et y participer. C'est vrai que c'est la seule chose qui me... Turlupine, et dans Turlupine attention parce qu'il y a Pin. Et donc, est-ce qu'on va le voir? Non, il est pas là, très bien. Pas Liam Neeson. Y'a pas Liam Neeson dans le coin? Vous auriez pas vu Liam Neeson? Non? Très bien. T'es là habituellement toi? Ah non, je crois que c'était le papy la dernière fois, maintenant il se cache avec sa capuche. Ça aurait été bon. Oh là 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 là. Salut. Ouh, ça vient d'où ça? T'as trouvé où ranger ton nouveau livre, on dirait? C'est à peine si je l'ai quitté des yeux une minute depuis que tu me l'as rapporté. Il regorge littéralement de pistes à explorer. Nouvelles runes, reliques perdues, inventions oubliées. Est-ce qu'il regorge de café? C'est incroyable. Essaie de ne pas faire sauter ton labo. Je promets rien. Tu comptes faire quoi? Potasser. J'ai consacré tout mon temps à chercher le codex élyséen et pas un instant à ce que je ferai après l'avoir déniché. C'est un problème plutôt positif, ça. Tout à fait. Cela étant, je vais avoir besoin de ton aide à l'extérieur pour un millier de choses. Compte sur moi. Excellent. Bon, si tu veux bien m'excuser. Tant que tu dans payes. Dans ce passage, mes ancêtres utilisent des niveaux de résonance cachés pour encapsuler l'information. Entendu. Je te laisse à tes lectures passionnantes. Merci. Hey, freelancer. Encore merci. Je t'en prie. Que le plaisir était pour. Bah, pour le titan. J'ai entendu Tassine marmonner à propos du Dominion. Tu savais qu'une fois, je m'étais planqué sous un tas de champignons en décomposition pour éviter une patrouille. Oui, c'est depuis ça que tu pues. Ouais. Ah, le bol de la faire, celle-là, moi. Ah là là. Bon. Dis-moi par ça. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et maintenant, je sais que vous les cachez, les bonhommes. Je vais essayer de les retrouver, hein. Mais bon. Toujours pas trouvé ma statue d'ailleurs. Normalement, une statue qui est arrivée quelque part, mais je sais pas du tout où est-ce qu'elle est arrivée. Alors, est-ce qu'elle a été dévoilée, vous savez, enlever le truc par-dessus? C'est genre là-bas, une des deux statues qui aurait reçu un petit coup de vent et plus de trucs. Et je sais pas. Je sais pas du tout et je sais pas où est-ce qu'elle pourrait être. Donc, c'est chiant. Je croyais que j'avais débloqué un truc, mais finalement, je le trouve pas. Ou alors, elle est dans le. Ça va être la baie là. Ouais, c'est la B. Oh! Nice. Et du coup, je vois pas où est-ce qu'elle pourrait être, la fameuse statue. Dommage. Dommage, dommage. Si vous le savez, dites-le moi. Next mission! Alors. Crac. Chargé de mission. Ouh, il y a un gros champignon ici. Oh. Arbre et dire. Oh. Ah, quand tu découvres le truc de la zone, il te le... D'accord, très bien. Bon bah, mission principale, j'imagine, vu que c'est la dernière et qu'on va pas en débloquer d'autres. Ça ne peut être qu'une principale. Enquêtez sur l'activité inhabituelle des Scar. C'est parti. Donc oui, normalement le son du micro est redevenu plus ou moins normal. Je l'espère en tout cas, j'ai fait quelques tests, ça me semblait... Normal. Oh putain, c'est stylé. Je trouve si peu de gens. Ouais. Ouais. Ah non. Ok, on y est les amis. Oh, c'est moche en rose comme ça, rose et blanc. Je te passe la sentinelle Bryn. Freelancer. Bonjour. Ici la sentinelle Bryn. Salut. Oh bonjour sentinelle. Comment vas-tu? Bien, bien. La base arcaniste n'est pas loin de ta position. Méfie-toi des Scar. Arrêtez de me pousser, c'est moi le plus gros. Ouh là là. On devrait peut-être discuter, histoire d'apprendre à se connaître. Pas la peine. Je te ferai signe quand t'approcheras de la base. Entendu. D'accord. Ok. La foudre et le tonnerre, n'est-ce pas? T'as réussi. La base arcaniste est juste devant toi, freelancer. Je m'en occupe. Hop là. Complètement envahi de Scar. Je l'aurais parié. Les arcanistes. Je capte un signal d'un refuge pas loin. Je vais envoyer une équipe sur place. Rends-moi service. S'occupe-toi de ces Scar. Pas de problème. Salut.
Mais oh! Y'a du bol, je recharge! Sur quoi tu tires? Sur quoi tu tires? Ah, il y en avait un juste derrière nous, ok, très bien. Ouh, pardon, excusez-moi, merci, au revoir. Il y avait un colosse tombé au combat. Les arcanistes ont attaqué les premiers, peut-être? Ouais, possible. Qu'est-ce qu'il faudrait bien étudier là-dedans? On peut en reparler un peu plus tard? Ah oui, pardon. Elle est mignonne. Hop là! Get rect, au suivant. Qui c'est qui me shoot là? Hop là, get rect aussi. Ah! T'as essayé d'aller voir ton copain? Bah alors? Ah, j'ai plus de balles, attends deux secondes. Oh mais j'oubliais. Voilà. J'oubliais. Moi. Bon, ça sera ça d'Escar au moins à tuer devant les murs du fort plus tard. De rien, Escar ont dû prendre le sujet d'étude des arcanistes. Quoi que ça puisse être. Probablement. C'est vraiment l'avernie. Nous avons vu d'Escar se regrouper dans une zone près de ta position. Dis-moi où je fonce. D'accord. Dessus. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu les Scar aussi actifs. Moi qui pensais être la seule à avoir remarqué. Ils sont partout ces derniers temps. Ce sont même pas des gens, juste des monstres qui détruisent tout sur leur passage. C'est ça, Brine, lâche-toi. C'est dégueulasse par là. On y est. Je vois que ton équipe a découvert l'endroit où les Scars se réunissent. Vois si tu peux trouver. Salut. Un arcaniste disparu dans le barrage. Je vais vous rouler dessus. Et tout le reste de leur recherche, quoi que ce soit. Fais aussi attention aux Scars, tant qu'à faire. Attends, j'ai un truc ici. Y'a pas grand chose ici. Des fragments, des débuts. Aucun signe des arcanistes. On va continuer. J'arrive. Black. C'est forcément quelque part par là. J'arrive. Oh, strike. Corps à corps. C'est là. Bonjour. Je suis trop fort. Brin, t'es sûr qu'ils les auraient laissés se faire découvert? Bon, s'il y a rien qui ressemble à du matériel arcanistique, c'est qu'ils ont... Arcanistique. Alors il faut que je cherche un entrepôt Scar. Ouais, un truc comme ça, quoi. Tiens, et une grotte Scar plutôt qu'un entrepôt Scar. Ça me va aussi. Pourquoi pas? Idéal pour cacher des machines. Alors des fois tu butes des troupes Scar, ouais, but, ouais. Et le mec te balance l'info. Oh, une trappe, je me demande bien où ça va. Fais attention. Et bah ça te mène en fait vers une zone secrète complètement j'ai envie de dire aléatoire, je crois. Cassez-vous. Et c'est assez cool. C'est assez cool, mais y'a pas grand chose dedans à part des ennemis quoi, je veux dire. T'arrives littéralement là où sont tous les Scar. Poussez-vous de mon chemin! Ah, c'est par là. Vu comme c'est glauque ici, ça m'étonnerait pas que les Scars s'en servent comme planque. T'as pas un conseil? On les élimine et on trouve. Ah, je pensais que j'allais pouvoir rentrer dedans. Très bien, j'élimine. Un. Deux. Ah non, je l'ai pas eu lui. Trois. 4, 5, 6. Ah. Je reviens. C'est pété. C'est tellement pété. Pourquoi je m'en priverais? C'est pour les virages. J'ai pas un rayon de braquage très... Bon, hé. Hey. Fuck you. Voilà.
Permettez, recharge. Je vais chercher du stuff aussi au passage. Oh, j'ai raté. Je me suis débarrassé de tous les scars. La suite. C'est parti. Ta 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 ta. Je me balade grâce à ce bouclier. Pour une fois que les tanks sont mis en avant. C'est pas plus un tank. Enfin, techniquement c'est un char d'assaut hein, mais. Freelancer, d'après Faye, une machine arcaniste volée serait rare. J'arrive. C'est pas bon ça. Arrête-les avant qu'elle explose. Oh là. Salut. Tu permets deux secondes. Je te crame la. Je te crame la gueule. Ah t'es pas assez D'accord. Hop. Retour au travail manuel. Ah non j'ai raté mon coup. Ah. Eh hey, oh. Je t'aurais la courtoisie de décéder. J'ai plus de batterie dans mon truc électrique. Pas grave. Allez. Tiens, regarde, ça chauffe. Voilà. C'est parti. Il s'est passé quoi? Je sais pas. J'ai foncé dans le truc et... T'es Scorpion. Le mieux, c'est de le neutraliser. J'ai foncé dans le truc et puis je sais pas ce qui s'est passé ensuite. Ah mais vous pourriez prendre les objectifs, bande de nazes. Rapporte-la. Yes. Beau travail, rapporte-la. Ah. Où est-ce qu'elle est? Aha. Appelez. Alors quand vous avez une pièce, vous pouvez pas voler, hein. Vous pouvez juste faire le double saut. Vous pouvez faire ça. Bah j'arrive, je prends les escaliers, c'est tout. Et ils font pas du tout les objectifs, ils attendent. Bande de tapettes. Pardon hein, mais ça se trouve, il y en a un qui sait même pas qu'il a l'objectif. Laissez-moi bourrer. Voilà. Donc il y en a un qui a l'objectif. Je sais pas lequel, mais il le ramène pas. Tu dois récupérer les fragments. Il y en a un qui l'a. Genre sans doute Wilco. Non non. Il y en a un qui l'a, mais c'est pas grave. Ça serait bien qu'il y en ait un qui vienne poser le fragment. Il y en a un des trois qui l'a. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas sur la carte. Mais bon. Faut croire que... Il y en a qu'un qui est pas venu jusqu'au truc. Hein. Il y en a qu'un. C'est Wilco. Wilco n'est pas venu jusqu'au truc. Et voyez, à chaque fois qu'il passe dedans. Les fragments, Freelancer. Eh non. Pas pourquoi. Récupère les fragments et neutralise la relique.
Ah là là. C'est dommage, hein. Récupère les fragments et neutralise la relique. Ah, j'aimerais bien, mais y en a un qui l'a, qui lâche pas. C'est pour ça qu'on... Ah, ça y est. J'imagine qu'il a, il l'a reset. Heureusement que je suis là. C'était des scars. Merci. Je suis pas le général Tarsis, mais. Peut-être. C'est trop étrange. En général, ils se contentent de piller. Je l'indique dans mon rapport. Et sinon. Merci, Freelancer. Les sentinelles et le fort te doivent une fière chandelle. Moi, je suis sûr que c'est lui. Je sais pas pourquoi. On travaillera peut-être ensemble. Peut-être. À la prochaine. À la prochaine. Et adieu, vous autres. Puisse votre vol être long. Rien de savoir. Besoin de savoir. Ok, cool. Il me jette des trucs dessus, par contre, je sais pas comment je vais le prendre. Hop les. Ah, ça fait du bien. Ça m'atteint. Pardon, hein, j'ai dans la tête parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Il pop de sol. Et moi, je fais blom, 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 blom. C'était super efficace quand même. Hein. J'espère que je vais pas tomber à un truc encore mieux, genre du 14. Il me force à le lâcher. Bande de nazes. Ok, Balek. Oh, il a fait mieux que moi en plus, Wilco. L'enfoiré. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Emplacement de composants, nice. Ah, il a fait mieux, hein. Dommage. 14. Non. Oh, c'est nul, ça. Ça, par contre, ça va être intéressant. Veilleur et fusil à pompe. Très bien. Très bien, très bien. L'avantage, c'est quand je gagne des niveaux comme ça de trucs, mais je peux craft encore une fois des nouveautés au niveau adéquat. Donc, c'est cool. Composant. L'avantage, c'est que attends, je vais pouvoir en poser un. Owen ? Salut Owen. Faut qu'on parle, c'est important. Retrouve-moi au bar. Ok, j'arrive. Owen ? Bon. On est celui-là. Ah, je peux pas parce que j'en avais déjà un autre ? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tout va bien. Très bien. C'est stylé. On a encore plus d'armure comme ça. J'ai pas forcément envie de claquer ça. Oh merde. Tu m'emmerdes. Je te le dis, tu m'emmerdes. Au niveau de l'apparence, j'ai rien de neuf. C'est j'ai toujours pas de sous. Ouais, ouais, c'est ce qu'ils disent tous. C'est ce qu'ils disent tous. Très bien. Bon. Bonne chose de fait. On va aller voir Owen parce que c'est quand même chelou qu'il me parle comme ça en brouillé. Il a plus confiance en la société. Il a enfin ouvert les yeux sur la société. Alors. Salut. Ravi de vous revoir chez l'oncle Voli. Merci. Comment ça s'est passé avec cette le bébé semaine, nous avons eu un arrivage spécial d'alliages et de composants. Je sais pas trop d'où ça vient, mais votre javelin vous remerciera d'en avoir profité. Vous êtes très persuasive, Sayerna. Merci, Sayerna. Je suis entraînée. Contente de vous voir. J'aimerais vous parler de mon aventure avec les Koroks. Comment ça s'est passé? Ah oui, j'aimerais savoir comment ça s'est passé. Alors, il faisait beau, et ça nous a pris un moment, mais on a trouvé un bébé Korox. D'accord. Quand j'ai commencé à le caresser, il m'a regardé avec ses grands yeux, et il a émis le plus adorable des grognements. Mais ça reste un grognement. C'était sûrement une sorte d'appel, parce que sa mère a débarqué, et elle était sacrément en colère, et très rapide. Vous avez été blessé? C'était le moment bizarre. C'est moi qui caressais le petit, mais la mère s'est mise à courser mon cousin Delton. Il avait son arme, mais la bête était arrivée à sa hauteur en un clin d'œil. Il est mort? C'est ça le plus fou. Il a pris un gros coup et il a bien valdingué. Mais il s'est relevé. Il avait rien de cassé. Même pas une marque sur lui. Il a eu de la chance, hein. Par contre, hier, il s'est mis à pisser du sang.
littéralement. Il va falloir garder un œil là-dessus. Il va falloir, en effet. Si on voit le bon côté, j'ai pu caresser un bébé Korox. Et c'est pas rien. C'est clair. Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre nouveau stock. J'y penserai. J'espère que t'as des nouveautés, des vraies nouveautés, que ça sert pas à rien ce que je fais là. Eh ben non. Nous venons de recevoir d'excellentes marchandises. Alors peut-être que ça baisse le prix, je ne sais pas, j'aurais dû checker ça. Genre la magistrale, elle est à 5000. Ok. Bon bah très bien. Et vous ma petite dame, tout va bien? Ouais ça va. Personne d'autre qui souhaite m'adresser la parole? Non, je vais me faire entuber, très bien, je vais me faire entuber. Allez au bar. Bien, c'est mon endroit préféré. Là, il y a le mec là-bas. Je fais une petite entorse. Je reviens. Vous, ou vous, freelancer, écoutez, ce que j'ai à dire est important. Écoute, mais dépêche. J'écoute plus. La nuit dernière et l'année d'avant, les démurges nous observent. Ouais, ouais, ouais. La fin du monde est proche! Ne le voyez-vous pas? Oula, y'a plus le monde dehors! Fais pas le con là-dedans, j'espère. Toujours en train de picoler, toi? Salut! T'as l'air de vouloir quelque chose? Accouche. Rien. Essayez pas de. Alors regarde ailleurs, tu veux? Ok, bah pas la peine d'être grossière. Pas la peine de t'énerver. Je me disais juste que t'avais peut-être besoin d'un. Tout va bien? Ouais, c'est vrai. Désolé, j'ai un peu dépassé les bornes. J'ai pas toujours été comme ça, tu sais. Je tenais une boulangerie. Oh. Du pain traditionnel dans. Oh. Comme celui de ma mère. Un jour, mon fournisseur a arrêté de livrer ouais. D'antium au nord. J'en ai essayé d'autres, mais ça n'allait jamais. J'ai eu de plus en plus de mal à garder ma clientèle. Alors, j'ai fini par abandonner. Je pourrais te mettre en contact avec avec Saïrn. Non, c'est pas elle, c'est l'autre. C'est la fille qu'on a vue tout à l'heure. Quand t'es à court de balles. Tu continues de te battre? Ouais. Ou t'acceptes la situation et tu sauves ta peau? J'aurais pu continuer. Bah, j'utilise mon poing ou mon bouclier. Mais c'est pas comme ça qu'on survit. Pour survivre, il faut savoir. Oula! C'est pas toujours vrai. C'est vrai maintenant. Écoute, j'adore discuter, mais ça va aller. J'ai encore quelques économies, il faut juste que je trouve une idée. Je te laisse réfléchir. Ouais, je sais. Mais bon, vu que tu me poses pas la question, on va te faire foutre. Salut. C'est bon? Pas mal? Mal? Mal, 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 un problème, mal. Non, c'est pas toi, mal. C'est lui, mal. Non. Mal. Max, c'est parti. Oh, Max, c'est parti. Mise à jour. D'accord. Bien. Attendez, ça veut dire que je peux. Oh. Alors, qui voilà. Oh, je peux être derrière le bar. Nice. Ils ont des graines. Vous, genre, vous faites votre propre. Non, tu me fous de ma gueule. Bon, nice. Owen. Oh là, oh lol. Oh là là, et il fume. Owen, est-ce que tout va bien? La position, oh putain. Alors? Alors quoi, c'est toi qui m'as appelé? Non, c'est toi. Ah, attends un peu. L'observateur mène une expédition dans le Maelstrom. Son objectif, faire une arme du Cénotaphe. Grâce au décryptage de l'archive récupérée au camp des régulateurs, nous savons pourquoi il s'intéresse tant aux reliques des démiurges. Ça veut pas dire qu'il réussira. Saviez-vous que l'observateur était là quand le Dominion a attaqué Liberalia? Oui. C'est l'un des rares à en avoir échappé quand la ville a été détruite. Oh merde. Il est sans pitié, obsessionnel et sanguinaire. C'est un redoutable crypteur doublé d'un pilote hors pair. Et même ses hommes ont peur de lui. La tempête va le détruire. Personne ne survit au Maelstrom. Hein? Vous aussi? Mes sources m'ont si révélé qu'il a trouvé un moyen d'exploiter la puissance du Cénotaphe. On ne peut pas le laisser faire. On est d'accord. Je vous demande de trouver un moyen de franchir le Maelstrom, d'arriver en premier au Cénotaphe et de le neutraliser. Agissez en freelancer. Agissez en freelancer? On est en train de parler d'un foutu cataclysme là. Il a raison. On n'est pas équipé pour affronter ça. Je vois. Enfin, j'en connais d'autres qui ont survécu au Maelstrom ce jour-là, qui n'ont pas renoncé et qui l'étudient. Ah, voyons. L'alcoolo derrière. Je devrais savoir de quoi on parle, mais... Mes anciens partenaires, Alouk et Faye. Selon mes sources, l'observateur est après eux. Ce qui veut dire que Faye a dû faire une découverte. Ah. Voilà leur position.
Ah, oh, c'est bon, j'ai. Oh, le con. Donc, Alouk et Faye. Selon mes sources, ça s'est mal fini entre vous. Pas vraiment, on s'est éloigné, c'est tout. Ah bon? J'ai plutôt entendu dire qu'Alouk t'en veut de l'avoir tiré de la tempête et que Faye est devenue... Bon, où est-ce qu'on va? Oh, c'est une blague. Alouk et Faye travaillent avec la princesse Zim. La poste des régulateurs? Ouais, enfin, c'est une contrebandière, les bonjours, et une criminelle sanguinaire, les mauvais. On a vraiment besoin d'eux. Pourquoi ouais. C'est le Maelstrom est arrivé au Cénotaph avant l'Observateur? Ouais, on a besoin d'eux. Vraiment? Toi et moi, on forme déjà une bonne équipe. C'est pour ça que Tassine nous a choisis. T'assures mes arrières et moi les tiens. Ok. Et sachant que l'Observateur est à la fois lancier et crypteur, on pourrait nous aussi avoir un talentueux et intrépide super combo crypteur-pilote de javelin. Sois patient, Owen. Les leçons de pilotage se passent bien, mais ça pourrait prendre des années. Ok. C'est peut-être lui, en fait, tu l'Observateur. Sais quoi, ça peut être marrant. Chez Zim, c'est un genre de fête foraine ambulante, qui plus est dirigée par des criminels sanguinaires. Oh, et qui aiment les cadeaux. Il en faut pour entrer. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est vrai. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Moi, j'ai une liste d'idées longue comme le bras de choses qui pourraient mal tourner, mais c'est pas grave, je vais les garder pour ma gueule, tu sais quoi? Bon, bah. Écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Moi, je vous retrouve demain pour la suite des aventures de Marcus Bonus, le freelanceur. Avec son javelin colosse, normalement. Hein. Là, je vais enchaîner les épisodes. On va enchaîner au moins deux, voire trois, on verra bien. Le temps que j'ai... Ah oui, c'est ma copine là-bas qui veut me parler. À demain!